Yo gros, juste avant la vidéo. Donc, je suis toujours en dépression. Désolé de pas servir beaucoup de montage. Je vais faire une vidéo très très rapide en gros. Te présenter les acteurs aussi, on gratte un peu sur la corne. Je pense que je me rate la jambe. Hein. Alors, ouais. Tu vois. Donc, je suis encore un peu en dépression. J'ai pas d'amis. Ça fait que le peu que j'ai, en gros, je suis en embrouille avec le seul ami que j'ai. Voilà. Donc, aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Percy Jackson. Enfin, je vais te présenter les acteurs de Percy Jackson. Au cas où tu serais pas. Voilà. Ah bon, c'est Percy Jackson, je vois la Percy Jackson, tu vois, et en gros, donc, sur ce, bah, Zubayo, quoi. Zubayo. Alors, gros, je précise, la vidéo sera très très courte. Je vais présenter les principaux acteurs, pas tous, bah, j'ai oublié le truc, tous les acteurs qu'il y a derrière l'écran. Non, je vais présenter les principaux acteurs. Donc, on va se rendre sur internet. Ouais, on peut chercher, on va mettre sur Google. On va pas se chercher, on va mettre sur Google. Je bégaye, je suis un peu fatigué quoi. Ouais. Percy Jackson. Ouais, je crois que c'est un rôle, le Percy Jackson. Bégaye. Le Percy Jackson 1, je parle. C'est pas tous les Percy Jackson qui existent, le 1, le 2 et tout, tu vois. Voilà. Donc, Logan Lerman. Donc lui, c'est le demi-dieu de Poséidon. Ouais, c'est le demi-dieu de Poséidon, gros. Tu vois, genre, Poséidon, comment dire ça? Une femme sans pouvoir, sans divinité, quoi. Genre, une femme comme toi et moi, quoi. Et un dieu, ça donne un sang mêlé, voilà. Non, son lui, c'est un sang mêlé dans le film, en gros, parce que... en gros, si tu veux, il est né d'une femme normale. Qui est sa mère, en gros, d'une femme normale. Un père qui a un dieu. Donc, tu vois, tu dis, femme normale, homme dieu, donne un sang mêlé, quoi. Ouais, non, mais c'est... Pour la corde, il a vraiment pris de l'âge. Hein. Il est dans quoi? 92. Donc je suppose que quand j'avais 10 piges à l'époque, on était en 2010, et bah lui il avait 18 ans. Ouais. Attends que je calcule. 2 secondes. Si mes calculs sont bons, j'avais 18 ans, j'ai compté en gros. Une petite coupure sur la grande, je suis très très nul en calcul. Ou alors limite, il faut archi beaucoup de temps vu que j'ai pas non plus une déficience en mathématiques. Hein. C'est juste que je suis nul comme ma mère en mathématiques. Quand on tient ma mère, tu vois, je tiens ma mère. Ma mère tient de moi, ma mère, je tiens ma mère, tu vois. C'est pas que j'arrive, c'est pas grave. C'est 30 fois que je répète. Donc, oui, je tiens ma mère, c'est en gros. Oui, ça fait 30, c'est pas que je répète, je sais. C'est ma mère est nulle en mathématiques et moi aussi. On est tous les deux bons en français, on est bon en histoire géo, on est bon en... Ouais, je suis bon en sport un peu, ça va encore, mais... ma mère, elle est pas du tout sport. Elle est pas du tout sport, elle est... Plus en gros, oh, tu vois, elle fait un régime sans faire du sport, quoi. Et moi, je dis en gros, tu vas venir, ouais, bébé, ça, moi et tout. Ferme ta putain de gueule, ok? Ferme ta putain de gueule. Je suis pas le bébé savon, d'accord? Tu te vois, je te vois venir en commentaire. Tu me dis pas ça. Sinon tu vas prendre cher, un truc de malade. D'accord? Merci. Donc, moi, je suis plutôt genre à faire un régime avec du sport. Que de faire un régime sans faire de sport. En gros, je fais du badminton en club, tu vois. Ah donc, je sais. Je bégaye, putain. Je sais même pas devenu le sujet, putain de merde. Donc. Alors elle. Elle est dans quoi?
33 ans. Yes. Alors elle, c'est Annabeth. Donc cette femme-là, c'est la fille d'Athéna. Donc bah, en gros, c'est la fille d'Athéna et son père est pas un dieu ni une déesse quoi. C'est sa mère qui est une déesse, Athéna. Je parle dans le film, hein, Je parle pas en vrai. Donc voilà. Oui, je te l'accorde, elle a changé par rapport à avant, ouais. 33 ans, d'accord. Mais attends. Si 18. Attends. L'autre il a quel âge? Bon, tu charges. 27. D'accord, on va comparer l'âge de 27. Attends, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc, à la saison que je suis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, ça fait qu'elle avait 24 ans quand, alors, à l'âge où elle a tourné le premier Percy Jackson. Elle avait 24 ans quand elle a tourné ce film et Percy en avait 18. Voilà. Donc, alors lui, je précise, en gros, c'est un croisé homme, croisé bouc. Ouais, c'est un croisé homme, mi-bouc. De toute façon, tu vois, ses jambes, c'est du bouc, et son cœur, il mange une canette, putain. Alors, c'est un gros, je suis en train de regarder, en gros, en même temps, Percy Jackson, il mange une canette. Oui, genre, il boit la canette, il mange carrément la canette, tu vois. revenons à ça. Lui, il croise des mi-book, mi-homme. Et c'est quoi un mi-book, mi-homme? C'est un satyre. Et un satyre, c'est quoi? C'est un croisé entre une chèvre et un homme. Sans deck. Je sens ça carrément calme, moi. Alors lui, ce putain de taré, quoi. Il avait voulu défier les dieux. Il avait voulu défier les dieux. Ouais. Genre, tu vois, en gros, il voulait garder les dieux en Percy Jackson. Voilà. Ah, je sens venir. Il y a peut-être des photos de mannequins sur lui. Attends, faut qu'il soit les images. Si on met sur image. J'en étais sûr. Bon. Oh non. Lui, on s'en bat les steaks. Bin, on s'en bat les steaks. Attends, on a été trop loin, Hadès, il est où Hadès. Coupure. Pardon, oui, j'étais d'accord, je cherchais pendant très longtemps, donc. Lui, c'est Zeus. Ouais, c'est Zeus. Ouais. Donc, en ce moment, c'est le chef des dieux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mythologie, c'est le chef des dieux, Zeus. Après t'as Poséidon, après t'as Athéna. C'est les trois plus grands, quoi. Voilà. Donc lui c'est Hadès. C'est le dieu de l'enfer. Ouais, genre c'est un peu comme Satan, quoi. Tu vois, Satan, le diable. Non, laisse tomber, quoi. Donc, lui, c'est Chiron. Il a quel âge, lui? Eh ben, il a presque l'âge à mon grand-père. Il a 66 ans. Donc, bah, lui, c'est Chiron. Alors, lui, c'est un mi-homme, mi-cheval.
Tout est normal quoi, un croisé, on croise cheval. Genre, tu fais ce que t'as à faire avec un cheval. Soit un cheval homme ou femme, ou soit un homme ou une femme. Je vais pas dire les tasses, je vais pas dire les tasses, après cette pays 18. Ouais, cette pays 18. Ça fait combien de fois je bégaye dans ces vidéos? Combien de fois je bégaye? Voilà. Et on a fait le tour, on se retrouve tout de suite, à tout de suite. Donc c'est à peu près tout. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as des questions à me poser, pose-les moi. Je suis très calé en Percy Jackson. Dis-moi mettons, ouais Jargon, comment un Poséidon a fait pour obtenir des pouvoirs? Et bah je te dirai en commentaire. Vu que j'ai vu le 2, je sais pas comment, de quelle manière ils ont eu les pouvoirs, mais à mon avis, c'est en battant leur père. Chronos. À son gros, au début, ils sont nés dans l'espèce de... Ils sont nés d'un espèce de démon en gros. Et en gros c'est en tuant leur père qu'ils obtinrent leur pouvoir. Se disant en gros avant les dieux, avant l'Olympe, les titans dominaient le monde. Voilà. Ce que ça dit en Percy Jackson 2. Et les titans, il y avait toute une horde de dieux quoi, en gros. T'avais les dieux de Chronos, après t'avais les dieux qui les trois dieux qui ont chassé à Chronos, après ils obtinrent leur pouvoir et tout le tralala quoi. Ah c'était l'impro la plus longue. Enfin j'ai dit intro moi. L'impro putain. Donc voilà. La maîtresse. On va dire ça comme ça. Donc la maîtresse de l'Olympe, c'est Athéna. Genre qui représente l'Olympe, tu vois, genre. Ouais, genre ils ont fumé la LSD, ouais. Ils ont fumé de la LSD. Ils sont saisis. Non, j'ai pas dit ça, non. Les Val c'est un connard, j'ai chanté une chanson de lui, mais c'est un connard, j'ai chanté une chanson de lui. Ah putain. Donc ils ont carrément fumé de la LSD quoi. C'est pas qu'ils m'ont tassé, mais je pourrais pas le faire sans gros. J'ai pas pouvoir directeur, enfin Vegas Pro sous la main. Alors voilà. Et donc voilà. J'espère que mais ce sera pas sous le droit d'auteur. Ah donc j'espère que j'ai aimé les vidéos. Donc voilà. J'espère que t'en n'hésite pas à liker, t'envoyer sur un compte, sur plaisir, c'est de l'Arcos. Et je publierai la vidéo sur ma carte SD et je la publierai demain. Putain, et mec, je stresse à l'idée qu'il y ait les droits d'auteur, ma gueule. Je stresse à l'idée qu'il y ait les droits d'auteur. Parce que c'est Lady Gaga qui chante là. Et je sais pas si c'est les droits d'auteur ou pas, j'espère pas, quoi. Donc voilà, c'était la question à me poser en gros. Ta Wikipédia, si je peux pas te répondre, ta Wikipédia, voilà. Et tu peux aller voir, en gros, c'est gratuit, t'es pas en compte. Ciao. Salut. Non, attendez, il me prend une pause comme ça, tu vois, bref. Ciao.